Des modalités de gouvernance. Essayer de trouver des nouveaux itinéraires des biens communs. C'est ça qu'on fait là. Hein? Alors, on y va. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi cette vague qui s'en vient là? Mais c'est nous qui s'en venons, c'est le peuple. C'est ça. On arrive en fait. Mais ici, tout le monde parle du bien commun. Comment vous définissez, vous, le bien commun? C'est ce qui appartient à tout le monde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens qui en bénéficient plus que d'autres, en fait. T'sais, on sait que dans la société, c'est supposé être équitable et égal. Mais c'est pas ça qui se crée présentement, c'est pas ça. Le bien commun, c'est plus que ce qui profite de tout le monde, pas juste les grandes entreprises, comme les capitalistes. Ben moi, ce serait comme le respect des humains, le respect des animaux et le respect de la terre. Puis on partage ensemble. C'est que les premiers peuples qui ont été marginalisés puissent trouver leur voix dans le grand concert de l'Amérique. On arrive à la conscience. C'est le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants. On était curieux de parler avec nous sommes conscients. La faune, la flore, c'est dur à expliquer. Le bien commun. Partie de nous. Ben le bien commun, c'est comme. Dont les humains doivent prendre soin. C'est qu'en fait, on n'est pas propriétaire de rien. Tout simplement, tout ce qui est la nature, tout ce qui est les ressources, tout ça, on n'est pas propriétaire de ça, mais on les utilise. Fait que, normalement, ben, on devrait partager ça de manière correcte, au moins. Tu sais, il me semble, c'est la base des choses pour que ça fonctionne. Puis on n'est vraiment pas dans une tendance qui se dirige vers quelque chose comme ça. Tu sais, je veux dire, n'importe qui voit en avant voit qu'il y a un mur là, qui s'en vient assez vite. Donc, je pense que c'est la seule chose à faire, c'est être conscient des choses. On est en mesure de faire des meilleurs choix. C'est quoi le bien commun pour vous? Que la nature. L'humanité. Le bien-être chez soi. Vous faites partie d'une organisation? Non, nous sommes des citoyens qui avons décidé de prendre la parole. D'agir en tant que citoyen responsable dans une période où on pense qu'il faut que les choses changent, à sauvegarder ce qu'on a de plus riche, de plus intéressant, puis à penser aux générations qui s'en viennent. Exactement le contraire de ce que le gouvernement libéral fait au Québec. Ça, c'est ma définition du bien commun. L'eau, l'air qu'on respire, le ciel font partie du bien commun, comme la justice, l'éducation, la démocratie. On parle de ressources naturelles, ou qu'on parle de santé, ou qu'on parle d'éducation, pour moi, ça fait toute partie du domaine du bien commun. Le bien commun, c'est de savoir vivre ensemble. C'est d'avoir une vision commune. Le bien commun, il est à la fois moral, physique, intellectuel. C'est ce qui constitue le lien entre tous les êtres humains. C'est ça, le bien commun. Alors, on peut essayer de le répartir selon des intérêts particuliers, mais foncièrement, ce qui transcende tous ces intérêts particuliers, c'est ça, le bien commun. Et je pense que si les gens sont ici aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'au-delà des cultures ou des intérêts particuliers, il y a quelque chose qu'on appelle l'espèce humaine. Et que le ciment de tout cela, c'est le sentiment que tout appartient à tous. Mais encore faut-il s'en occuper? Bien, ça, c'est la grande question. Je ne suis pas sûr que ça aurait été possible comme il y a 10 ou 12 ans.
S'il n'y avait pas eu la crise économique il y a quelques années, qui ne fait que commencer, s'il n'y avait pas le réchauffement de la planète et tout, etc., on ne serait pas là. On le dit, on veut un contrôle démocratique de nos richesses naturelles et surnaturelles dans le respect de l'être humain d'aujourd'hui et de plus tard.